Coucou à tous, c'est Crim. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo consacrée à l'extension Chien et Chat grâce à l'accès anticipé que m'a fourni EA. Donc, après avoir vu les chats, les chiens, les nouveautés du CAS, maintenant on va s'attaquer aux nouveaux objets. Donc, il y en a beaucoup, hein. Je les ai pas encore tous mis sur mon terrain, mais je vais vous les présenter donc au fur et à mesure. Donc on va commencer par les objets confort. Donc d'abord, on peut constater qu'il y a un nouveau lit pour enfants. Vraiment très mignon avec le petit haut de lit en forme de petit chat, donc dans différentes gammes de couleurs. Avec forcément on retrouve les petits motifs animaux, hein, c'est un peu le thème du Schmidblick. Voilà. Donc après, on reste toujours dans les lits, on a des lits un peu plus... une place toujours, mais peut-être un peu plus adulte ou ado. Donc avec... on retrouve aussi un peu le thème... forcément des chiens, des chats, un peu partout. Voilà, il y a quelques couvertures que j'aime beaucoup. Enfin, je pense que c'est des lits que je vais pouvoir utiliser très rapidement dans mon jeu. Donc voilà, je vous laisse découvrir toutes les couleurs. C'est vraiment très, très sympa les petites couvertures comme ça en patchwork. Donc après on a un premier lit de place. Donc moi ce que j'aime vraiment c'est le petit coussin en haut sur la tête de lit. Je trouve ça vraiment très joli. Je crois pas qu'on ait ça dans un autre lit du jeu. Donc de nouveau pareil, décliné en pas mal de couleurs, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et enfin, on a un dernier lit, toujours de place, un peu plus rustique. Hein. Vous allez voir que rustique, c'est un peu le nom qui colle bien aux objets de cette extension, parce qu'on a beaucoup de meubles rustiques. Donc le dernier lit est un lit voilà, un peu plus à l'ancienne, hein, avec les barres en bois, de nouveau avec les coussins à la tête de lit, dans différentes couleurs aussi. Je vous laisse regarder les couleurs. Hop. Donc il est sympa aussi celui-là, un peu plus voilà à l'ancienne. On repart de l'autre côté pour vous montrer. Donc ça c'était pour les lits, voilà. Donc on a 4 nouveaux types de lits, 2 une place et 2 deux places. Il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, pour les adultes, les ados et les grands-parents. Ensuite, on attaque les fauteuils et les bancs. Donc, on a un premier petit banc en bois qui est décliné dans 9 couleurs différentes. Donc, on est beaucoup sur du bois, sur du rustique, un peu maison de grand-mère, quoi. Après, alors, on a un petit canapé, là, comme ça. Moi, franchement, j'adore avec les coussins et tout ça. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment, vraiment réaliste, hein. Alors vous allez voir au niveau des fauteuils, on retrouve un petit peu les mêmes couleurs sur tous les modèles, donc c'est pas mal, ça va permettre de faire un peu des pièces harmonieuses et qui vont bien enfin les meubles ont été pensés pour aller bien ensemble. Donc après le petit canapé, on a un tabouret de bar. Donc je vous parlais de rustique, vous voyez on a même l'usure sur les chaises, on la retrouve un peu sur des chaises qui viennent après. Donc des tabourets de bar. Ensuite, on a un petit fauteuil, enfin un siège avec un coussin. Donc voilà, de différentes couleurs qui rappellent un peu les couleurs des autres. Ensuite, on a des sièges de salle à manger dans les mêmes couleurs que le canapé, hein, vous noterez. Voilà. De nouveau, des chaises un peu de salle à manger. Rustique en bois avec l'assise un peu à l'ancienne. Et enfin des chaises un peu plus simples. Voyez, on retrouve l'usure dont je vous parlais sur les tabourets de bar. Ici, un peu partout. C'est vraiment. Moi j'aime beaucoup. Alors il faut dire que le style rustique, c'est un style qui me plaît énormément. Donc avec cette add-on, je suis plutôt servie. Ensuite, on a un fauteuil qui fait... Alors, personnellement, je trouve que ça fait très fauteuil de grand-mère. Mais ça peut être sympa aussi, un fauteuil de grand-mère, avec
avec l'espèce de petit plaid dentelle sur le dessus. Enfin, je vois vraiment ça dans une maison, voilà, vraiment à la campagne. C'est tout à fait le thème de cet adorable au niveau des objets. Ensuite, on passe dans des fauteuils un petit peu plus, voilà, un tout petit peu plus moderne, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas de la grosse modernité. Toujours dans les mêmes couleurs que le canapé et les autres chaises. Après, là, on a une espèce de petit tabouret où on peut s'asseoir dessus. C'est le principe des tabourets, hein, vous me direz. Mais voilà, avec pas mal de couleurs aussi. J'ai mis les couleurs, ça m'arrive vraiment très bien entre elles. Elles collent vraiment bien au style, je trouve. Après, de nouveau, on a un petit siège, un petit fauteuil. Pareil, un peu les mêmes couleurs que le reste. Voilà, c'est à peu près... C'est très homogène, je trouve, et très, très rustique au niveau des couleurs et tout ça. Donc c'est vraiment un style que j'affectionne. Enfin, moi je découvre cet add-on en même temps que je fais les vidéos et pour l'instant, mais enfin, j'ai rien vu qui me plaisait pas. Les animaux sont extraordinaires, le CAS pour les humains est vraiment top, là les objets c'est vraiment tout à fait mon style. C'est l'add-on que j'attendais le plus et c'est celui que pour l'instant j'aime le plus, hein, de ce que j'en ai découvert. Et attendez, j'ai pas encore touché au gameplay. Donc ensuite, on va continuer à présenter les objets. On a un petit banc d'extérieur, alors qui se décline en 4 couleurs, et après c'est le petit dessin en fait en fer forgé au milieu qui change. Donc à chaque fois on a soit un os, soit un petit chat, soit une fleur. Donc voilà, c'est plutôt sympathique dans un jardin, je trouve. Ensuite, alors là on a un banc d'extérieur que je trouve vraiment vraiment sympa, avec voilà, avec des fleurs dedans. Alors forcément c'est un peu gros, hein, ça se mettra pas n'importe où, mais c'est vraiment très joli, je trouve. C'est hyper travaillé, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sympa. Ensuite, on a alors un espèce de petit fauteuil avec un dossier très haut. Voilà, avec un petit coussin. Ça aussi, c'est super sympa. Je crois pas qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça à l'heure actuelle dans le jeu. Donc c'est bien, moi je trouve, d'avoir des nouveaux styles. Ça permet de varier un peu les... Enfin moi, je parle pas pour moi parce que niveau déco, j'en touche pas une, mais... Mais il y a vraiment dans la communauté des gens qui sont super doués et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec ça, parce que puis ouais, noir et rouge, je vois bien ça dans un manoir un peu gothique, hein. Je ne vise personne en disant ça, mais c'est vraiment très simple. Ensuite, on a pareil un petit banc, enfin un petit canapé d'angle. Je vois bien ça devant une fenêtre. Et plein de couleurs, des tiroirs en bas. C'est extrêmement bien travaillé, je trouve. Les différentes couleurs, hein, je vous laisse admirer, mais... Ben, c'est très joli. Après, on a un petit peu la même chose, mais une touche de modernité en plus, hein, je dirais. Avec les coussins, enfin... J'adore les couleurs, le style... C'est hyper travaillé, on a les bouquins en bas. Ouais, c'est super super bien fait. Franchement, ils ont fait un travail. Comme toujours, hein, vous me direz, mais là vraiment, moi je suis ultra enchantée par ce que je vois. Quoi. Ensuite, c'est tout pour les objets de confort. Donc maintenant on va passer aux surfaces. Donc maintenant on va voir un peu tout ce qui est surface et autres mobiliers. Donc on commence avec des étagères pour poser les laisses en face des chiens et des chats. Donc j'en ai profité pour vous mettre un peu les revêtements muraux qui sont disponibles dans le pack. Donc en haut vous avez des étagères pour poser la laisse, et en dessous je vous ai mis des étagères qui... comment dirais-je...
bien coordonné avec le reste et voilà, juste des étagères. J'ai pas testé si on pouvait poser des choses dessus, mais déjà vous avez un peu l'apparence, donc encore une fois c'est super bien fait. Les états alignés, donc je vous laisse regarder les couleurs en même temps que vous pouvez jeter un œil aux vêtements qui sont disponibles. Voilà, ensuite on a des petites tables de chevet qui vont avec le lit pour enfants qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, avec des couleurs coordonnées, des petites pattes de chien ou de chat en guise de poignée. Hein. Les couleurs collent parfaitement avec le lit. Ensuite là vous avez une table de nuit un peu plus adulte et qui va plus avec le lit de place qu'on a vu tout à l'heure. Toujours avec le côté un peu patiné et abîmé, passé du moins un peu rustique. Donc là vous avez les différentes couleurs. Sinon après vous avez deux autres tables de nuit. Donc une table de nuit octogonale un peu plus moderne du coup. Une table de nuit pareil un peu rustique mais du coup pas patiné et pas abîmé par le temps. Ensuite, une petite table basse pour mettre dans le salon. Très jolie, tout en bois. Voilà. Des tables de pique-nique pour mettre dehors. Alors franchement, j'adore. Je trouve les couleurs sublimes avec le bois comme ça, un peu... voilà, panique. Moi, j'aime bien quand c'est un peu à l'ancienne, pas nickel, etc. Donc... je trouve ça super, super, super joli. Ensuite, on va passer par ici. On a donc un petit meuble. Vous pouvez voir. Plus pour le salon. Donc pareil, un peu à l'ancienne, un peu mamie. Je vous laisse regarder les différentes couleurs. À côté, on a une table. Alors, c'est plus une table pour poser éventuellement un petit pot de fleurs ou des objets déco que vraiment une table. Mais j'aime bien, ça fait un petit peu table comme une table sur tréteau. C'est sympathique. Du coup, à côté, vous avez une table. Alors, c'est plus... Cette table, elle ressemble un peu à des tables qu'on a déjà dans le jeu, mais... voilà, un peu plus avec d'autres couleurs, toujours en bois, toujours... je vais laisser regarder un peu les couleurs. Après, à côté, on a une table que forcément, du coup, vous l'aurez compris, j'apprécie vraiment. Un peu de la même couleur que les tables de pique-nique. Donc avec du bois un peu plus vieilli. Très joli. Une petite table, on dirait un peu comme un tonneau. Pareil, peut-être plus une table d'extérieur du coup avec le pied un peu plus massif. Ensuite ici, on a un bureau. Alors voilà, bureau un peu à l'ancienne avec les tiroirs, toujours en bois. Toujours un peu les mêmes couleurs hein, de toute façon et un peu les mêmes styles. De nouveau une table de pique-nique mais du coup un peu plus neuve avec... des parasols de différentes couleurs, c'est joli, c'est coloré. Ensuite, on va dans le fond avec un super vaisselier. Ça prend de la place, hein, vaisselier comme ça. Mais très joli avec les assiettes en haut. On voit bien les détails à l'intérieur. Toujours dans les couleurs un peu. On voit depuis le début donc sur les autres meubles. Voilà. Ensuite on a un autre vaisselier, même pas, juste un petit placard un peu plus petit du coup, plus pour de la déco. Donc je pense qu'il y a moyen de poser des choses là-dessus pour l'essayer. Voilà. Juste derrière on a un petit meuble de cuisine. Les mêmes couleurs. Très joli aussi. Ensuite, on part par là, on a une bibliothèque.
Donc une bibliothèque classique. Avec des livres dedans, hein. C'est comme le tabouret où on s'assoit, c'est le principe. Super travaillé en haut, des lampes. Une petite maison sur le haut. Ici on a une commode un petit peu plus moderne, hein, bien que ce soit quand même en bois, etc. Dans différentes couleurs. Et ici on a une commode pour le coup vraiment plus... Alors on retrouve un peu le côté usé et abîmé, enfin le coloris qu'on retrouve sur les autres meubles, hein, sur certaines couleurs, pas sur toutes il me semble, mais voilà. Certaines couleurs sont un peu passées et d'autres pas. Ça c'est une commode, voilà. Après on a une commode qui va avec la chambre d'enfant, hein, comme qui va avec la table basse, enfin la table basse, n'importe quoi. Avec la table de chevet et avec le lit des enfants, donc toujours avec les petites patounes qui servent de poignée. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour des surfaces et du reste immobilier. Je regarde vite fait, j'ai rien oublié de vous présenter. Non, non, je vous ai tout présenté. Le reste, ça suit après. Donc voilà, c'était pour les surfaces. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Donc maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est sanitaire. Donc ça va aller vite. Puisqu'on a donc des nouvelles toilettes qui viennent dans 6 couleurs. Voilà. Un nouveau lavabo avec son meuble et une nouvelle baignoire très jolie que j'aime beaucoup. J'adore les couleurs en fait, elles sont magnifiques, je trouve. Voilà, toujours un peu à l'ancienne, rustique, on reste dans l'ambiance. Et c'est tout pour les sanitaires. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré les revêtements muraux d'intérieur. Donc là, maintenant, on voit les revêtements d'extérieur. Donc avec ici des planches, et puis ici un peu plus des tuiles. Enfin, des tuiles. Ouais, non, des briques. Je sais pas trop, hein. Des choses pour faire des murs, quoi. Voilà. Je vous ai mis un peu les différentes couleurs, les différentes formes, etc. Maintenant, donc, je vous propose de découvrir tout ce qui est un peu déco murale, peinture, stickers, tout ça. Donc on commence un peu avec les stickers. Alors il y en a un que je voulais vous montrer absolument, que j'adore, c'est celui-là, là, c'est Griffure de chat. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve ça ultra réaliste pour rajouter sur vos papiers peints. Voilà, pour montrer que le chat s'est un peu fait les griffes sur le mur. Donc voilà, je vous ai un peu mis tous les stickers qu'il y avait. Donc il y en a pas mal qui sont là pour décorer, je pense, un peu une éventuelle clinique vétérinaire. Donc voilà, la petite souris. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée. Faudrait que j'aille voir la description. Mais voilà, les petits chats, les petits chiens, les symboles de nourriture. Des petites traces de pas que vous pouvez mettre en déco sur le mur. Voilà, ça c'est plus pour la clinique vétérinaire. Après on a des affiches. Voilà, encore des stickers. Un petit trou de souris. Une affiche, la même en fait que celle-là, mais version un peu arrachée. Des calendriers, en couleur des chats et des chiens. Pareil, là on a une affiche un peu abîmée et puis sa version un peu neuve à côté. Après, on a pas mal de tableaux que je trouve vraiment très jolis, un peu abstraits. Des affiches, alors peut-être plus pour mettre pareil dans la clinique vétérinaire. Encore des tableaux. Alors, je pense qu'en fait, ces tableaux-là, voilà, on par paire. Est-ce que par paire? Enfin, par paire. Par deux fois paire, en fait. Et se mettre un peu... Alors attendez, il faut retourner le bon sens. En fait, tu joues au puzzle. Ça, ça va là-dessus. Dans le sens. Avec les Sims, tu fais des puzzles. Voilà. Ça fait un sens.
coup, les vieux aussi, c'est... Enfin, les vieux, souvent, ça doit être pareil. Ça doit être ça ici. Et celui-là, là. Je vous laisserai découvrir ça tranquillement quand vous aurez le jeu. Et c'est effectivement très joli. Donc ensuite, on a un gros tableau, là, avec des chiens qui jouent donc au lama. Alors, ce tableau existe en plusieurs couleurs, en fait, mais il n'y a que le cadre qui change de couleur. Donc, je vous l'ai mis qu'une fois. Mais après, voilà, il y a toutes les couleurs de bois... en termes de cadre, mais le dessin, lui, ne change pas. Donc ensuite, j'ai dû prendre un deuxième mur, parce que il y en a pas mal. Donc on reste sur des tableaux. Donc là, c'est des tableaux un peu sur le thème des animaux et de la mer. Voilà. Quelques cadres de nouveau, bah, toujours pareil, hein, les animaux, la mer. Après, là, on a des... mince... des meubles miroirs de salle de bain, un peu plus, voilà. Et puis, c'est tout ce qu'on a, enfin, c'est déjà pas mal, en termes de déco murale, de peinture et de diverses choses qui s'accrochent au mur. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les rideaux et les fenêtres. On reste un peu au niveau des murs et maintenant, on va parler des fenêtres. Donc, vous avez cette espèce de grande ouverture, alors que c'est pas vraiment une fenêtre, hein, puisqu'il n'y a pas de vitre. Mais voilà, qui est une grande ouverture qui peut permettre de faire des balcons ou des petites arches. Ensuite, vous avez ces petites fenêtres carrées, donc de toutes ces couleurs-là. Donc après, pour les autres fenêtres, j'ai pas remis toutes les couleurs parce qu'en fait, grosso modo, la palette de couleurs des fenêtres, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et pour toutes les fenêtres qui suivent, vous retrouverez exactement la même palette de couleurs. Donc voilà, je vous ai mis un modèle de chaque. Et au niveau des couleurs, vous les voyez ici. Donc après, on en a une autre avec des croisillons. De nouveau, une petite ouverture sans vitre. Des petites fenêtres, des fenêtres un peu plus grandes, avec plus ou moins larges et plus ou moins hautes. Voilà. Donc après, ben, qui dit fenêtre dit rideau. Hein, donc on se dirige hop, un peu plus loin. Donc ici, on va commencer par là. Donc là, vous voyez un peu tous les rideaux qui sont disponibles. Donc, comme pour les fenêtres, en fait, j'ai mis voilà, tous les coloris pardon, de rideaux disponibles. Et après, je vous mets par ici les variantes de forme. Donc voilà, c'est les mêmes que vous avez, en fait, les trois rideaux qui sont à droite. Vous les avez dans toutes les couleurs qui sont là. Je trouve les rideaux plutôt réussis. Ensuite, on a des rideaux, voilà, un peu plus, peut-être rideaux de cuisine, un peu plus rustiques, etc. Ensuite, dans ces coloris-là, hop, attendez, on reviendra par là après. On peut après vous retrouver donc ce qu'on vient de voir, là, le petit rideau de cuisine. Vous retrouvez donc les mêmes couleurs que ce qu'on vient de voir dans des rideaux un peu plus grands pour le salon, etc. Voilà, ici c'est pareil, on a un assortiment de 9 coloris de petits rideaux, comme vous pouvez le constater, qui se déclinent après dans 3 autres formes différentes et toujours dans les mêmes coloris. Donc avec un espacement pardon, plus ou moins grand suivant votre type de fenêtre. Voilà, donc on a fait le tour des rideaux, on peut passer à la suite. Maintenant on va un petit peu voir les objets... plus spécifique aux animaux parce que c'est quand même un peu le thème de la donne, donc j'ai réuni un peu tous les objets qui les concernent. Donc on commence par un petit coussin, alors plutôt pour les chats ou les petits chiens. J'avoue que je suis un peu déçue parce que je trouve que c'est un petit peu plat. Moi j'aurais préféré un vrai coussin ou un endroit un petit peu plus épais et un coussin quoi. Pas juste un petit tapis avec un petit rebord. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc on a la version voilà petit chien et chat. Et là, on a la version gros chien, quoi. Donc avec plein de couleurs différentes. De quoi convenir un peu toutes les décos intérieures. Ensuite, bah, pour les chats, on a les traditionnelles litières. Hein, donc ça va de la plus simple. Hein, juste un bac... un bac avec de la litière dedans, dans 5 couleurs différentes. Après, on rentre dans un peu plus sophistiqué, hein, la litière qui est fermée. J'imagine les odeurs. Ah, on n'était pas toutes seules.
Voilà. Et puis après, on arrive dans de la litière vraiment high-tech, qui, je suppose, se nettoie toute seule. C'est bien ça, c'est pas mal. Et là, on a carrément de la litière qui se désintègre par laser. C'est-à-dire que vos chats font pipi ou caca dedans et la litière les fait disparaître. Donc voilà, bien sûr, plus on avance, plus le prix monte sur les différents types de litière. Ensuite, on se dépasse un peu par là-bas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, les jouets. Alors, les jouets. Donc il y a des coffres à jouets. Donc de différentes formes, différents designs. Et voilà les jouets en question. Donc on a des balles, hein, essentiellement, voilà, de plusieurs couleurs, ou alors en forme de chats, d'oiseaux et de souris. Là c'est des petits plumeaux, vous savez, pour faire jouer pour faire jouer les chats. Donc voilà, les coffres, c'est suivant. Je crois que celui-là est plutôt un coffre d'extérieur, hein, si je me souviens bien de la description. Non, on peut pas la voir. Donc, et puis les deux autres, voilà, ça dépend de la place que vous avez à consacrer. Forcément, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ensuite, ensuite, ça c'est pas mal, c'est tous les objets... pour entraîner votre animal, donc une sorte d'agility. Donc vous avez un parcours en slalom comme ça, hop, un petit pont, on saute par-dessus dans les cerceaux, on va dans le tunnel, on monte sur l'obstacle ou on saute par-dessus, je sais pas, j'ai pas encore testé. Donc voilà, ça c'est un peu tous les accessoires pour faire un petit peu d'agility. Ensuite, alors on va dans les indispensables arbres à chat. Donc ça va vraiment du plus gros au plus simple. Donc ça c'est le premier que je vous ai sélectionné. Voilà, je vous montre toutes les couleurs. Hop. Voilà, et avec ça votre chat il a pu s'amuser pendant des jours. Celui d'après il est exactement pareil que le premier, c'est juste un peu le design qui change, mais il y a les mêmes deux plateformes en haut, le petit jouet en bas, le petit coussin pour s'asseoir, etc. Donc si ce n'est qu'il arrive avec beaucoup plus de couleurs. Voilà. Mais sinon c'est exactement le même. Avec un petit hamac là pour que vos chats se reposent. Il vient donc dans plein de couleurs différentes. J'ai oublié d'en mettre sur deux lignes tellement il y en avait. Voilà. Ensuite, l'arbre à chat suivant, il est un peu plus petit. Et il vient dans les mêmes couleurs que le précédent. Hein. Donc voilà, juste un petit jouet, de quoi se poser et puis un griffoir. C'est exactement les mêmes couleurs que celui d'avant. Hein. Voilà. Ensuite là on a juste c'est pas vraiment un arbre à chat, on a juste en fait la petite cabane pour que le chat puisse se poser. Il n'y a même pas les griffoirs sur le bord, donc ça c'est vraiment juste pour que le chat puisse se poser. Pareil pour celui d'après. Ah, celui d'après il y a le griffoir quand même. Celui d'après c'est juste une planche, c'est la même couleur que celui derrière, juste une planche pour que le chat puisse se poser dessus et puis un griffoir. Voilà, ensuite on a les griffoirs tout simple. Donc on a ceux-là là qui sont des griffoirs naturels. Et puis on a tous ces petits griffoirs là qui sont des mêmes couleurs que les griffoirs de l'arbre à chat qui est situé juste derrière. Donc voilà, toutes les couleurs qui sont disponibles. Et c'est assez varié, hein, donc ça doit convenir à peu près à toutes sortes de déco intérieur. Ensuite, on revient par là. Voilà. Alors, après la litière et l'arbre à chat, les gamelles
c'est quand même pas mal. Donc les premières gamelles là, alors c'est deux gamelles différentes, mais qui, enfin, il y a que la forme du, il y a que la forme de la gamelle en elle-même qui change. C'est des distributeurs de nourriture, donc voilà, vous pouvez mettre la nourriture, vous êtes tranquille pour un moment, votre chat ou votre chien vient se servir tout seul. C'est le drive en fait, voilà, c'est le drive ou le self-service des animaux. Si vous voulez des gamelles un peu plus traditionnelles, c'est possible aussi, elles sont là. Donc soit de forme un peu carrée, soit ronde. Alors je n'ai pas vraiment encore le temps de tester le gameplay. Du coup il y avait cette boîte de transport, mais je ne sais pas exactement si c'est juste un objet de déco ou si on peut s'en servir. Donc dans le doute, je l'ai mise quand même. Mais je sais pas trop si on peut s'en servir ou pas. Donc voilà, bah, on a fait le tour à peu près des nouveaux objets pour les animaux. Du moins les objets à la maison, puisqu'après on va voir tous les objets qui sont disponibles chez le vétérinaire. Donc voilà, bah, j'espère que vous trouverez votre bonheur avec ça. Allez, on passe à la suite. Donc après les accessoires pour les chiens et les chats, on va voir un petit peu tout ce qui est... objets et matériel pour la clinique vétérinaire. Alors il y a un truc qui est super fun avec la plupart du matériel vétérinaire, c'est qu'il existe en deux versions, une version neuve, propre, machin, et la même version moins chère, mais toute décrépie. C'est... voilà, sur certains objets, ça fait vraiment... comment dire, ça donne pas confiance en fait, donc c'est super si vous voulez créer un peu une clinique vétérinaire un peu voilà, en mauvais état et tout ça, bah vous allez pouvoir, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc ça c'est la fabrique à un médicament, donc là devant vous avez les modèles tout neufs, magnifiques, et derrière vous avez les modèles forcément, voilà, ils ont vécu quoi, hein, c'est... la peinture, elle est un peu passée. On sent qu'ils ont servi ceux-là. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est pour préparer un peu les médicaments. Après on a... alors ça par contre, ça existe qu'en une version, il me semble. En tout cas, j'ai pas vu l'autre. C'est un petit... voilà, c'est plus pour décorer. C'est un petit, une petite table pour poser un peu les accessoires... de la clinique. Là c'est l'enregistreuse de patients, voilà. Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment eu le temps de tester encore, mais voilà, à mon avis c'est là qu'on s'enregistre quand on arrive à la vétérinaire, au vétérinaire pardon, à la vétérinaire. Oh là là, excusez-moi, je commence à fatiguer, je suis sur cette vidéo depuis plusieurs heures maintenant et je commence un petit peu à... enfin c'est... ça commence à me monter un peu au cerveau. Et donc là, alors là, ça commence à devenir top. On a le distributeur de médicaments. Donc la version neuve, nickel. Et derrière, la version franchement crado, hein, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, avec les vitres toutes sales, bien abîmées. Enfin, vraiment, ça donne pas vraiment confiance. Hein, vous voyez, entre le modèle neuf et le modèle... parce que, enfin, voilà, quoi. Et alors, je trouve là où c'est vraiment flagrant, c'est sur la table d'examen. Donc là, vous avez la table d'examen, je dirais, voilà, neuve, belle, propre, qui est disponible en 5 couleurs. Et là, vous avez la table d'examen, qui est rescotchée, avec des taches, comment dirais-je, douteuses au niveau du tapis, hein, et même là, au niveau du tapis d'examen. Donc, ouais, là, c'est vraiment... c'est pas le genre de clinique où on a confiance de laisser ses animaux, je trouve. Mais bon, ça peut être sympa pour créer une ambiance ou une vieille clinique vétérinaire qui est un petit peu souvent faillite. On voit aussi la différence, là, avec la machine qui sert à opérer les animaux. Donc, on a la neuve, hein, voilà, disponible... en 5 couleurs comme d'habitude, et là on a un peu la vieille, enfin tout abîmé. Mais je trouve que vraiment le pire c'est la table d'examen, quoi, avec les taches un petit peu douteuses de on ne sait quoi, et on veut pas trop savoir non plus.
Enfin voilà, c'est super sympa, donc vous aurez le choix, soit vous créez une clinique vétérinaire flambant neuve, rutilante et qui brille, soit vous vous la jouerez un peu plus vieille clinique qui a bien vécu, qui marche pas bien et qui a pas franchement les moyens. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans votre jeu. Ensuite, on a pas mal d'objets au niveau de la déco. Alors, on a différents types de chats et de chiens, voilà, pour décorer l'intérieur ou l'extérieur. Donc, soit en métal, soit en céramique. Ensuite, là, vous avez une petite statuette qui représente un chien et un chat. Alors, après, on rentre sur des décors un petit peu plus, comment dirais-je, imposantes. Voilà, donc là par exemple vous avez la réplique d'une barre, d'un gouvernail, et bah, je crois qu'elle a taille réelle, hein, parce que vu la taille du machin, c'est pas évident à placer dans son salon, je vous l'accorde, mais bon. On a aussi deux petites stèles, la stèle du chien inconnu et du chat inconnu, voilà, plutôt en extérieur du coup. On a aussi une miniature en 3D de Brindleton Bay, voilà. Ah oui, alors là, ça aussi, c'est comme le gouvernail, c'est pas évident à caler dans le salon. Mais bon, c'est joli, hein, mais il faut un grand salon, quoi. Hein, donc vous aurez compris, c'est plus une décoration d'extérieur, voire de terrain communautaire, plus que de jardin. Parce que même dans le jardin, je sais pas trop comment on peut placer ça. Après, là, on a différents types de croquettes pour chat et pour chien. Bien sûr, ce ne sont, à mon avis, que de la déco. On a aussi quelques petites décos. Là, c'est des petits accessoires. On peut mettre les cotons-tiges, le coton, tout ça. Donc, peut-être plus pour la clinique vétérinaire aussi. Des petits instruments de chirurgie, une seringue. Et d'autres instruments, je ne connais pas le nom, des piles de lettres, des petites friandises pour les animaux, voilà, des petits bocaux avec toujours des petites friandises. Ensuite, on a toute une série de lampadaires que vous pouvez voir ici, déclinés en plusieurs couleurs. Je les trouve magnifiques, ces lampadaires, ils sont vraiment très jolis. Vous avez aperçu la nouvelle peluche, hein, donc soit vous avez le choix entre 5 chats ou 5 chiens. Donc elles sont très grosses, mais c'est vrai que maintenant comme on a un peu l'option de réduire les objets, ça peut un peu changer la taille, voilà. Du coup, c'est un peu pareil pour les objets qu'on vient de voir qui sont très gros, il y a peut-être moyen de les réduire pour pouvoir les placer peut-être un peu plus facilement là où on en a besoin. Ah oui, j'en ai profité, je vous ai mis les nouveaux revêtements de sol. Et voilà, alors ça c'est mon rêve absolu, c'est un robot aspirateur. C'est un aspirateur qui marche tout seul. Voilà, ça, quand je serai grande aussi, j'aimerais avoir un robot qui fait l'aspirateur à ma place, une voiture qui se gare toute seule. Enfin, bref, j'aimerais en faire le moins possible. Non, le ménage, c'est vraiment une corvée. Donc, ça, je pense que tous mes Sims vont avoir un robot qui fait le ménage. Même si, techniquement, mes Sims ne passent jamais l'aspirateur. Voilà, puis en plus, c'est sympa. J'avais déjà vu dans des vidéos des chats, en fait, qui sautent dessus. Donc, ça peut être sympa aussi. Donc, il y a deux modèles différents. Un modèle un peu, voilà, un peu plus coloré. Et puis, l'autre modèle qui est là. Ensuite, oui, alors on repart dans des volumes un peu impressionnants avec ces grosses caisses. Là, c'est pareil, ça peut être réduit éventuellement si vous le voulez. Et on a des caisses un peu plus petites par ici. Après, je vous ai mis la déclinaison des caisses. Je vous ai pas mis toutes les couleurs parce qu'en fait, c'est exactement les couleurs de ces caisses-là. Donc c'est comme pour les rideaux, tout ça, je vous ai pas remis toutes les couleurs. Mais sachez que toutes ces couleurs-là se déclinent sur ces caisses-là. Voilà, ensuite on continue avec une étagère. Ça c'est pour après. Avec une étagère voilà, de décoration avec les bibelots. Une étagère d'angle. D'ailleurs, toujours le thème un peu de la mer, le bateau, le phare.
Après, ici, on a des piles de livres sur une valise. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour la déco. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai pas montré l'arrière des caisses, je vais vous montrer ça tout de suite. Des petites caches, des petites planches. Ça peut être sympa pour créer des décors dans les lieux communautaires ou pour des histoires, des choses comme ça. Enfin, moi qui suis plutôt qui construit pas grand chose mais qui écrit beaucoup d'histoires ou de vidéos, j'apprécie. Enfin, plus on a de décors, plus on peut faire des choses. Voilà, donc on passe à la suite. Ensuite, on est sur les tapis. Donc, on commence par un tapis extrêmement grand et large. Hein, vous allez voir par rapport à la taille du terrain. Voilà, donc il est assez grand. Personnellement, j'avoue que j'ai une préférence pour celui-là. Là. Mais voilà, je laisse regarder. Il se décline en pas mal de couleurs. Voilà, après on passe sur des tapis de taille un petit peu plus classique. Alors les tout premiers là-haut, c'est pas vraiment des tapis, c'est des sets de tas pour poser en fait la gamelle de votre chien ou de votre chat. Voilà, c'est pour éviter que ça intermette partout. Ensuite là on est sur donc des paillassons, donc couleur voilà, des animaux. Là on est sur des paillassons réservés aux chats. Voilà, c'est les mêmes couleurs qu'en haut, mais c'est des chats. Bien sûr, on a la version réservée aux chiens juste en dessous. Après, là, on a des petits tapis de différentes formes. Alors, je craque totalement pour celui-là. Je le trouve super joli. Il va forcément finir dans une de mes maisons. Après, on a un paillasson donc interdit aux chiens. On a exactement les mêmes interdits aux chats. Et après, alors je vous les ai pas remis, on a de nouveau les mêmes avec ce coup-ci, voilà, un paillasson sans que ce soit barré, avec donc un paillasson pour les chiens et un paillasson pour les chats. Voilà, on repart vers le haut, à la suite. Donc après là, on a des petits tapis de différentes couleurs. Voilà, on a des tapis tressés aussi. On les a en rond, on les a en un peu plus grand ici. Et après, on les a un peu plus loin en demi-cercle. Là, on a des tapis avec des fersignes. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est en demi-cercle, le paillasson. Enfin, paillasson. Le tapis, je vais y arriver, tressé. Voilà, donc là, on a fait le tour des différents tapis, paillassons, etc. pour décorer vos sols. Alors, on revient un petit peu sur des tableaux que j'avais pas vu, enfin du moins des décorations murales que j'avais pas vu tout à l'heure, donc j'ai voulu du coup ce sera un petit peu mélangé avec ceux-là en fait, ils ont un petit peu échappé, il y avait tellement d'objets à placer que je les ai pas vus. Donc ça, les premières, c'est plutôt pour la clinique vétérinaire avec voilà, le schéma d'anatomie des chats, des chiens, différentes radios, des petites rencontres à chat ou chien, un petit tableau, un petit cadre pour pouvoir mettre les affiches qu'on a vues tout à l'heure. J'ai profité que j'avais un bout de mur aussi pour mettre ces demi-tonneaux en fait qui se mettent contre le mur, qui servent de bas. De nouveau un petit gouvernail, des petites affiches crabes et hop, des petits panneaux pour mettre. Voilà, pour la clinique vétérinaire, donc le panneau vierge comme ça existe dans ces quatre couleurs aussi. Voilà, si on dessine les deux côtés. Ensuite j'en ai profité que j'avais un bout de mur aussi pour vous mettre les cheminées. Donc une cheminée un peu plus à l'ancienne et puis une un petit peu plus moderne avec un miroir au-dessus. Voilà. Donc pour finir sur les meubles un peu de la maison, on a un nouveau bar aussi. Très déco maritime hein, comme le reste avec des hublots dans le bar. Donc voilà, avec des verres derrière, c'est très bien fait. Ensuite on a un nouvel aquarium qui est super bien fait avec le phare et toujours en bois aux mêmes couleurs que les autres meubles.
Donc là, au niveau de la décoration des lieux communautaires, on a 4 nouveaux toilettes publiques, un peu au décor de la mer, comme vous pouvez le voir, avec la bouée. On a aussi 2 stands de nourriture, de nouveaux stands de nourriture. Après, on a des panneaux, donc des panneaux, voilà, assez compréhensibles. Hein, attention chat, chien, interdit d'aboyer, interdit de faire ses besoins. Et puis on a ces, vous savez, ces panneaux un peu pour décorer et annoncer un peu où on est, les jardins, tout ça. Donc il y en a pas mal, des petits panneaux. Là on retrouve, vous savez, nos panneaux publicitaires un peu abîmés et puis les neufs, encore des panneaux derrière. Voilà, ça c'est pour la déco des lieux communautaires. Et enfin on finit avec les plantes et les arbres. Donc là je vous ai mis, voilà, les herbes qui sont disponibles. On a des bouts du bouleau, on a de l'érable derrière en différentes couleurs. Voilà. Et après les plantes un peu, donc les plantes du jardin, donc on a un nouveau massif. Petite sculpture en forme de chat et en forme de chien. Et enfin ça c'est les fleurs de décoration qui viennent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, notamment dans les gros pneus. Donc vous avez soit des fleurs dans des tonneaux, voilà, dans des pneus. On a aussi des petites plantes comme ça d'intérieur ou d'extérieur d'ailleurs, dans un petit pot à lait ou alors dans un petit vase en forme de chat ou de chien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Eh bien, écoutez, cette présentation de la donne chien et chat est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu y trouver votre bonheur et que je suis sûre que de toute façon avec tous les objets déco qu'il y a, toutes les couleurs, etc., vous allez forcément trouver votre bonheur. Moi je suis vraiment comblée et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en faire de tous ces objets en déco et tout ça. Je sais qu'il y a des créateurs qui sont formidables dans la communauté et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Voilà, je vous laisse. C'était ma dernière vidéo de découverte de cet add-on et je remercie encore une fois chaleureusement EA sans qui j'aurais pas pu tester ce jeu avant sa sortie. Donc merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.